Salut amis mécanos, aujourd'hui on va poser du power flex sur la 206. Salut amis mécanos, et oui, aujourd'hui on va poser du power flex sur la 206, mais pas à n'importe quel endroit. Je vais pas mettre du power flex partout. Moi je veux garder quand même un minimum de confort de conduite. Donc on va mettre du power flex là où ça s'use le plus vite. Ou sur une 206. Sur la bar stab, oui, les cylindres blocs de bar stab. Et puis en plus, j'ai pris du Black Series. Donc au niveau dureté, on ne peut pas faire plus. Ensuite, il y a bien sûr l'antibasculeur inférieur. Donc, j'ai commandé du jaune. C'est ce qu'il y a de plus flexible, entre guillemets. Après, il y a du violet. Et puis après, il y a du noir. Moi, j'ai préféré prendre quelque chose de relativement robuste, mais quand même un peu plus flexible pour ne pas perdre en confort de conduite. Pour ne pas avoir des vibrations de moteur à tout bout de champ dans l'habitacle. Tout ça, je l'ai acheté chez MTK Tuning. Je vous mettrai bien sûr le lien dans le descriptif. Vous verrez. En plus, vous aurez un code promo, les amis. Je ne le connais pas encore au moment où je vous parle et que je suis en train de tourner de la vidéo. Mais dans le descriptif, je vous mettrai le code promo. Il vous aurait 10%. Et sachez que à partir de la date où la vidéo va être publiée, le code promo sera valable pendant 15 jours. Alors allez-y les amis, venez sur MTK faire une razzia. 10% c'est pas négligeable, venez voir dans le descriptif, ça va vous faire du bien à votre porte-monnaie. Enfin bon bref, on va pas tergiverser pendant 107 ans, on se retrouve tout de suite en dessous de la voiture, on va poser tout ça, c'est parti. Donc les amis, nous voilà en dessous de la voiture, comme vous pouvez le voir, moi mon silent block je l'ai déjà déposé. Regardez le v'là, en fait il était complètement flagada, il se promenait comme ça de gauche à droite, une vraie merde. Donc là maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va poser les power flex. On va mettre un petit peu de graisse. Enfin, tout du moins si je l'ai bien ouvert, le tube de graisse. Hop là. Une petite lichette de graisse. On se positionne le silent block. Hop là, comme vous pouvez le voir, ça rentre tout seul. Alors surtout les amis, quand vous changerez votre silent block de 206, faites bien attention, il y a deux montes possibles. Il y a soit du 70 mm ou du 65 mm. Moi sur la 206 de Madame Mécanique, c'est du 65 mm. Hop là. Hop là. Et voilà. Vous avez vu, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Donc voilà, le power flex est installé. Maintenant, on va pouvoir remettre le nonos. Défaire la vis qu'il y a sur le berceau. Hop là. Avec sa petite rondelle. Hop là. On va positionner, si on y arrive, ouais. Ça risque d'être une tannée. Ah non, pas tant que ça, pas tant que ça, pas tant que ça. Donc là, ouais, par contre, pour il va falloir que je joue un peu avec le moteur, je pense. Ouais, je pense qu'il va falloir que je joue un peu avec le moteur pour pouvoir passer le silent block, sinon on va jamais y arriver. Hop là. Hop là. Merde.
Voilà. Voilà. De toute façon, même s'il veut pas, il sera obligé de passer. Quoi qu'il arrive. Il sera obligé de passer, le gosse. Mais moi, comme un neuneu, j'ai mis le nonos à l'envers. Et ouais. Il n'y a qu'à Fifi que ça arrive, ça. Il n'y a qu'à Fifi que ça arrive. Ça. Je vous le dis tout de suite. Et pourtant, non, il n'a pas de sens. Et moi qui suis... C'est moi qui suis boubourse ou quoi? Voilà. Voilà. Hop là. Ah, là, on est bien. Là, ce qu'on va faire, voilà, on va remettre la vis qui va juste là, hop là, et on va remettre la vis qui va là. Et voilà. Je resserre tout ça et je reviens tout de suite vers vous. Ça y est, l'antibasculeur inférieur est positionné. Tout est serré, tout est nickel. Vous avez vu, c'est vraiment très très propre. Maintenant, on va passer à la barre stab. C'est parti. Donc, nous voilà arrivés sur une des parties de la barre stab. Là, on est sur le côté passager. Donc c'est vraiment pas bien sorcier, vous allez voir, poser du power flex. Donc déjà tout d'abord en premier, on va positionner la bague, la fameuse petite bague. Donc avant tout ça, bien sûr, on va mettre de la graisse. On va utiliser la graisse power flex. On va en appliquer sur la barre stab. Hop là. Il n'y en a pas besoin de 3 tonnes, hein, vous inquiétez pas. Hop là. Voilà. Là, vous pouvez le voir. C'est nickel, c'est installé. Après, vous remettez bien sûr une lichette sur cette bague. Bien sûr, cette manière de procéder, ce n'est peut-être pas la meilleure des manières, mais c'est la mienne. Si vous voulez faire pareil, je vous y invite. Et puis là, il y aura juste à faire passer le silent block. Et puis là, comme ça, après, on pourra le positionner de la manière dont on en a envie, enfin surtout la manière qu'il faut pour pouvoir remettre les fameuses brides de bar stab. Alors, je sais plus du tout comment ça va. Alors, dans la logique... Dans la logique, ça devrait aller comme ça, mais je ne suis pas sûr, je ne vais pas vous mentir. Je ne sais plus. Alors, est-ce que ça irait pas comme ça? Ouais, ça serait plus dans ce délire-là. Ouais, comme ça. Ça serait plus dans ce délire-là que la bride de bar stab devrait aller. Donc, voilà. Je vais procéder de la même manière de l'autre côté et on se revoit tout de suite en dessous de la voiture. Donc, les amis, nous revoilà en dessous de la voiture. On va repositionner... la barre stab, enfin tout du moins on va essayer, j'ai envie de tordir. Hein? Ah, comment ça va être la merde? Mais comment ça va être la merde, frérot? J'aurais mieux fait de remettre la barre stab. Ouais, j'aurais mieux fait de remettre la barre stab quand le berceau était à terre. Là, ça va être une tannée. Ça va être une tannée. Alors, est-ce que ça pourrait aller comme ça? Écoute, ça a tout l'air. Ça a tout l'air d'aller comme ça. Donc, ok. J'ai déjà trouvé le sens
De la barre stable. vous rigolez, mais vous verrez quand vous y serez. Hop là. Hop là. On se positionne ça comme ça. Hop là. On va essayer de repositionner. Oh putain. Voilà. Je vais essayer de faire prendre l'écrou en dessous. Enfin au-dessus. Voilà. Déjà un côté demi. Alors, voyons voir, disait l'aveugle. Dans la logique, ça va comme ça. Après, vous me direz, qu'est-ce qui est logique, hein, j'ai envie de vous dire. Hop là, on repositionne la vis. Et on passe la main en dessous pour faire prendre l'écrou. Oh misère. Ah, j'aurais mieux fait de faire ça quand le berceau était encore à terre. Ça aurait été plus simple. Beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, dans la logique, normalement, j'ai bien dit normalement, je suis bien positionné. Regardez. Attendez. Je replie ce putain de trépied. Là, comme vous pouvez le voir, là, on est bien positionné. Il y a juste à resserrer la vis qui est juste là. Et là, comme vous pouvez le voir aussi, on est bien positionné. Il n'y a plus qu'à resserrer la bride et on est opérationnel, tout simplement. On se revoit tout de suite une fois tout ça c'est fait. Alors les amis, me revoilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout plaqué au cliquet. Alors, il faut savoir que les brides de barre stable, elles se servent à 104 Nm ou 10,4 dK Nm. Et de une. Et de deux. Et voilà les amis, les Silent Block de barre stable et anti-basculement en Power Flex sont installés. Tout a été serré au couple. Là maintenant, on est vraiment reparti sur une base vraiment plus que saine. Bien sûr, je vous donnerai un retour positif ou négatif de ces Silent Block, mais ayant déjà utilisé cette marque et n'ayant pas à voir, j'ai jamais été déçu par cette marque là, donc c'est pour ça je me suis dit pourquoi pas la mettre en avant et essayer de vous avoir un code promo chez MTK qui est distributeur de cette marque et pouvoir vous faire des économies tout simplement. Dans tous les cas les amis, allez faire un petit tour dans le descriptif. Il y a le code promo, il y a le lien pour MTK. Allez-y les amis, faites-vous plaisir, le code est valable 15 jours. Je vous dis tous à très très bientôt les amis. N'oubliez pas de balancer un petit like, ça aide au référencement de la vidéo. Balancez vos commentaires. Si vous avez des questions, allez-y, faites-vous plaisir dans la barre commentaire. Partagez en masse, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. N'oubliez pas que les abonnements standards, c'est pas payant. Donc allez-y les amis, faites-vous plaisir, la famille grandit. On est bientôt 16 000. Donc allez-y les amis, abonnez-vous. Bon les amis, je vous laisse, à très bientôt, on se revoit pour un futur tuto. Allez, peace and love et paix sur vous.